Feeling sexy and free, like glitter's raining on me. You're like a shot of pure gold. I think I'm about to explode. I can taste it. Coucou tout le monde, on est le 11, donc lundi, il est 9h34. J'espère que vous allez bien. On démarre une nouvelle semaine de vlog. Alors j'espère aussi que la semaine passée vous a plu. Dites-moi en commentaire si ce que vous aimeriez peut-être voir en plus dans mes vlogs du quotidien, ce que vous n'aimez pas, etc. Que je sache un petit peu. Et puis moi le programme là, j'ai fait ma routine ménage du matin. Il y a une machine qui est en route mais je ne pourrais pas la mettre dehors puisqu'il pleut et ils ont prévu de la pluie toute la journée, donc je pense qu'il va pleuvoir qu'une fois aujourd'hui. Je pense aussi que je vais faire du feu parce qu'il y a 19,2 dans la maison, mais comme il pleut c'est super humide, donc voilà. Et puis là au bureau c'est juste un iceberg, d'où l'écharpe. Sinon il faut que je me lave les cheveux parce que là ça va plus et j'ai plein de vidéos à tourner aujourd'hui. J'aimerais au moins en tourner 3, ce serait bien. Donc voilà un petit peu le programme. Là je vais faire les stats et puis après je vais me laver les cheveux et je vais démarrer le tournage des vidéos. Voilà, je reviens juste avant de manger. Il est, oui, avec la serviette sur la tête puisque je me suis lavé les cheveux. Il est midi et quart. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du feu dans la cheminée. Voilà. Parce que franchement, il faisait pas super chaud. J'ai accroché ma machine. Et puis surtout là, je passe à table. Donc voilà. Voilà ce que je vais manger aujourd'hui. Donc une cuisse de canard confite maison. Et une salade. Tout est maison sauf la salade. Donc j'ai mis dedans des tomates jaunes, des tomates basiques et des piments verts et des piments rouges avec de la salade et des graines de lin. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Ah, il est pas loin de 2h. Ce que je vais faire là, c'est que je vais filmer ma vidéo donc de mercredi, puisque c'est la seule de la semaine qui reste encore. Vu qu'elle était un petit peu longue, j'ai repoussé, mais là il faut absolument que je la fasse. Donc j'espère qu'elle vous plaira, c'est une nouvelle rubrique sur ma chaîne. Dites-moi vraiment à partir de mercredi ce que vous en pensez. Et puis voilà, hein, c'est tout simple, c'est dans ma chambre avec le réflexe, un fauteuil. Et voilà, parce que là la luminosité c'est le seul endroit où il y a vraiment une luminosité à peu près correcte. Bon, je reviens quand même parce qu'il est 4h30, donc là je vais chercher Enzo à l'école, mais avant je voulais vous faire un petit update de ce que j'ai fait cet après-midi, puisque ce matin j'ai franchement pas fait grand chose, j'arrivais pas en fait à trouver l'énergie à démarrer, et puis j'ai regardé les vidéos que j'avais, enfin en retard oui et non, mais j'ai répondu aux commentaires, etc. J'ai donc monté le vlog, comme je vous ai dit, il est en ligne, j'ai déjà répondu à des commentaires dessous, et non, je ne suis absolument pas du tout une spécialiste en cuisine, loin de là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? À part ça, j'ai filmé, j'ai monté et c'est en train d'être mise en ligne la vidéo de mercredi, donc d'après-demain. Je suis plutôt contente de moi puisque c'est une vidéo que vous m'aviez demandé depuis plus d'un an. Donc là je l'ai enfin faite, comme quoi c'est pas parce que je ne fais pas toutes les vidéos que vous me demandez que forcément elles passent à la trappe, non pas du tout. Ensuite sur Textbroker en fait je me suis fait avoir parce que j'ai oublié il y avait une commande, j'ai fait la commande, je l'ai faite en un quart d'heure même pas, mais j'ai oublié de valider le fait que j'acceptais la commande et donc du coup elle m'est passée sous le nez, donc j'ai rédigé le texte pour rien, c'est pas grave. Ça arrive, hein, tant pis, hein, c'est une erreur de ma part, j'aurais dû faire plus attention. Et puis là je suis déjà en train de charger les premières, parce que ce que vous avez vu juste avant cette prise de vue, enfin cette séquence là, pour commencer déjà mon montage du vlog donc d'aujourd'hui. Et voilà, j'ai préparé aussi, et ça m'a pris... Sandra, si tu pouvais arrêter de faire du bruit, ce serait bien. J'ai préparé toutes mes notes, voilà, et il y en a
pour le sujet de la semaine prochaine de la collab, puisque c'est le sujet tabou. Et ce sujet-là, je ne veux pas du tout le traiter comme ça, la one again. Il me faut des notes. C'est pas que je ne peux pas dire n'importe quoi, mais si, c'est quand même vrai. Mais voilà, je veux quand même un plan correct et ne rien oublier. Voilà, parce que c'est un sujet assez grave, si je peux dire. Donc voilà, je voulais absolument préparer ça. Donc je pense que une fois que j'ai cherché Enzo, je pense que je vais essayer quand même encore de filmer donc en haut dans la chambre, puisque c'est là où il y a la meilleure luminosité. Et puis aussi, avant que j'oublie, c'est arrivé mais tellement vite, ce samedi, donc le 17, je fais le premier live sur la collab. Donc je ferai une vidéo pour vous prévenir, enfin une annonce, mais je vous le dis déjà là. Donc ce sera certainement en début de soirée, je ne sais pas encore à quelle heure. Donc vraiment, essayez d'être là, ça me ferait déjà super plaisir. Et ensuite, ça vous permettra de poser toutes les questions que vous voulez par rapport à la collab. Voilà, il y aura aussi certainement les membres de la collab qui seront sur le chat. Donc ce sera aussi la bonne occasion de leur parler en direct. Et la semaine qui vient, donc je viens de vous le dire, on traite du sujet tabou. Et il y a la première guest qui arrive. Donc ce sera samedi prochain, donc le 24. Donc vous avez deux samedis, là les deux samedis qui arrivent, vous avez des événements. Ce samedi, c'est le live sur la collab. Et le samedi d'après, eh bien c'est notre première guest. Voilà. Il pleut. 6h moins le quart. Franchement, j'ai les boules parce que le petit, il a fait les devoirs, mais... même pas 10 minutes c'était fait. Je me suis dit je vais pouvoir filmer donc la vidéo de mardi prochain pour la collab, puisque j'ai tout de près. Et j'ai oublié, faut dire ce qui est comme une conne, de recharger les batteries, puisque celle qui était dedans était vide. J'en ai mis une autre qui était aussi vide, et là celle qui est dedans est vide. Donc sur les trois, oui, parce que j'ai trois batteries, les trois sont vides. Donc il y en a deux qui est en train de charger, et là j'attends et je ne peux pas filmer. Et ça m'énerve vraiment quand je suis motivée pour filmer, quand j'ai la possibilité de filmer, quand tout est prêt et qu'il faille que j'attende. Voilà, ça m'énerve. Ah, il est 7h, mon homme vient de rentrer, il a pris sa douche. Donc là, vu que j'ai pas du tout d'idée pour faire à manger, il s'est proposé pour faire à manger. Voilà, j'ai juste un homme génial, parce que après sa journée de boulot, il est encore prêt à faire à manger. Mes hanches vont moins aimer, puisque il y aura ça de sauce et ça de gras, mais c'est pas grave. Donc voilà, et ben moi je vais l'aider, et puis je pense que je vais aller à la douche parce que j'ai super froid, j'ai mis le gros gilet et j'arrive pas à me réchauffer.